Monsieur, qu'est-ce qu'on vous a dit s'il vous plaît. Merci. Bah, bonjour à toutes et à tous. Carlos Martins Bilongo. Déjà, j'aimerais dire à tout le monde ici que... aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français. Et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à la Semaine nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre. Depuis 4 mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face de la Semaine nationale. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être renvoyé à cette couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie. J'ai étudié tous les métiers du monde. Aujourd'hui, je suis député de la nation et me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement National ne demande pas à la personne qui a proféré cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois... causer ça après la rue, il pose un paquet de problèmes. Faites confiance, mesdames, messieurs. Moi-même, en tant que noir, qu'après le parler de lui, en tout me déranger. Il y a un député dans le pays, la France. Monsieur, pratiquement, c'est un nanèque qui tape militer depuis quelques temps pour la race noire, qui pratiquement c'est une race en France, malgré yon grand pile nan yon qui noir, donc qui a subi des humiliations assez souvent dans mes Français qui, soit disant, a gagné quelques autres couleurs. Mesdames, Messieurs, il y a un député français qui pratiquement, pendant l'enseignance, et puis il pourrait parler de situation dans le pays d'Haïti, dans le pays de la France, désolé, l'a expliqué, mais qui ça va à la hier, mais qui ça l'a vraiment changé, mais comment elle t'a souhaité va à la fête. Eh bien, c'est de même moment, il y a un autre député qui campait, monsieur dit, allez mon frère, va au diable, retourne en Afrique. Bagay ça fait un scandale et le déranger toute séance là et le pose un paquet de problèmes. Et bagay ça a fait même Emmanuel Macron prendre une grande décision qui peut-être pas obligé prendre Bralvin Avero tout de suite. Aux États-Unis d'Amérique, mesdames, messieurs, bagay la compliqué dans diverses zones. Par exemple, dans Miami, en pile moud après les Amérique, côté que c'est dans la période de l'élection là, tu as censé gagner un pile phénomène qui a passé. Parce que gagner à plusieurs reprises un phénomène de difficulté. Donc, mesdames, messieurs, de monsieur Tiompio, qui finalement a marché de state en state pour voir comment tu as influencé l'élection ça qui a fait là. Et pratiquement son élection, selon Donald Trump, s'il pas prend, donc il est capable de dire c'est foutu pour lui-même, puisque monsieur voulait retourner encore une fois, 2024, si Dieu veut, dans notre pays, les États-Unis d'Amérique, en pile monde considéré, Donald Trump, t'es maltraité, mal géré, pour bagaille finalement arrivé très bon. En tout cas, je vais venir à plus de détails. Sacrivé, sac possible. Mesdames, messieurs, le député français, je vais quitter le temps de monsieur, avant que moi-même, je vais avoir quelques informations très importantes. Monsieur, qu'est-ce qu'on vous a dit? Merci. Bonjour à toutes et à tous, Carlos Martins Bilongo. Déjà, j'aimerais dire à tout le monde ici que aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à la Semaine nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre. Depuis 4 mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement national. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être renvoyé à cette couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie. J'ai étudié tous les métiers du monde. Aujourd'hui, je suis député de la nation et me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement National ne demande pas à la personne qui a proféré cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois, c'est un message qu'on envoie à la nation. Il y a beaucoup de personnes qui ont ma couleur de peau,
ou qui sont basanés, qui ont des teints qui ne sont pas, qui correspondent pas à d'autres personnes, et à chaque fois on leur envoie leur couleur de peau, on leur envoie repartir en Afrique. Ma question est portée sur des personnes qui sont en mer et qui veulent être rescapées, et des personnes, des femmes enceintes, des enfants qui sont en mer aujourd'hui. Ma question est portée sur SOS Méditerranée. Et j'ai pas pu aborder ma question. Ça me désole encore une fois. Qu'avez-vous entendu exactement? C'est M. De Fournas qui vous a dit ça. Vous avez le compte-rendu de l'Assemblée nationale et vous pouvez réécouter effectivement aussi. Vous pouvez l'écouter. Quelle sanction? J'ai pas envie de le répéter. Ça ne me fait pas plaisir. Quelle sanction, monsieur? Depuis le début de cette législature, il y a déjà eu des épisodes de ce genre. Non, pas du même, pas d'une gravité aussi forte. Juste pour remettre les choses en place. Nous avons un député de notre groupe qui, au nom de notre groupe, posait une question sur un sujet qui est un sujet humanitaire absolument urgent, c'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui en mer, avec, et Carlos Martins Bilongo le disait, avec en plus des conditions météorologiques qui sont extrêmes pour les jours à venir, et donc des questions de sauvetage de personnes, qui sont juste le respect du droit de la mer notamment. Alors qu'il posait cette question-là, un député du Rassemblement National, effectivement, M. De Fournas, lui crie dans l'Assemblée « Retourne en Afrique ». Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, l'extrême droite a montré son vrai visage. Monsieur Chenu qui était là, et Carlos l'a dit, Monsieur Chenu qui était là pour représenter son groupe, puisque Madame Marine Le Pen était absente, a fait bloc avec son député. Nous le disons, nous ne laisserons pas passer un délit comme celui que vient de faire ce député dans l'Assemblée, qui humilie un nombre de gens dans ce pays par millions qui n'auraient pas, selon le Rassemblement National, qui adore trier les gens selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, selon leur genre ou je ne sais quoi. Nous ne laisserons pas passer une telle chose dans l'Assemblée Nationale. Alors quelles sanctions allons-nous demander? Demain, il devrait y avoir un bureau exceptionnel. Nous allons demander la sanction la plus forte, c'est-à-dire l'exclusion. Nous allons demander l'exclusion pour plusieurs mois de ce député, qui est la sanction la plus forte que nous pouvons prononcer au sein de cet hémicycle. Je crois que ça le mérite largement. Levez l'immunité. Ah, mais on comprend pas tout là. Non, mais qu'est-ce que ça dit du Rassemblement National? Le Rassemblement National, nous l'avons toujours dit, propage de la haine entre les gens. Je le redis, le Rassemblement National propage de la haine et de la violence et vient de prouver dans les faits qu'il ne supportait pas qu'un homme noir, parce que disons les faits, qu'un homme noir né en France puisse être député français. Voilà ce qu'ils viennent de prouver aujourd'hui. C'est insupportable. Voilà en quoi est-ce que le Rassemblement National aujourd'hui menace la cohésion et l'unité de notre pays. Ce que nous disons depuis des années sur le Rassemblement National, le Front National avant, eh bien vient de s'exprimer de manière complètement libre dans l'Assemblée. Nous ne l'accepterons pas. Merci. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, ce que vous regardez même comment ce bagalaye et qui ça dit, qui ça fait là, et pour qui ça c'est quoi ça le fait. Bon. Moi-même, dans l'expérience que je fais avec étrangers qui pratiquement ont un complexe de supériorité, les gens qui ont quoi que noir, pas capable d'avancer, et il y a des positions pour noir à la paillée, et même estimé, pas vraiment de plus humiliation possible qu'on est capable que ça. Ou imaginons, on est là l'élection, élu par rapport avec la politique que monsieur gagne, c'est élu par rapport avec l'idéologie qu'elle gagne, c'est élu par rapport avec salaire de quoi. Et d'un coup, c'est là pour le reste, que elle apparaît très simple pour lui, très compliqué pour lui. Et puis, mes frères et sœurs, amis, donc, il va le retrouver dans une situation précaire. Retrouver nos situations mensongères. Côté, l'autre monde pral parler avec. Écoute, il est temps pour le monde commencer à accepter, je veux bien dire le monde, ni les noirs, ni les blancs, soi-disant blancs. Il faut dire que faut que nous suspendons la décrétation ça, quelle que soit la nature que l'État gagne. Nous pas personne, pas de chance, ni moyen, ni capacité, soit légitimité pour t'intégrer un bagage comme ça.
pour vivre, pour exprimer, pour montrer, mais qui côté volonté au chita pour capable avancer tant que moun. Nous pas jamais capable avancer puisque la roue ça se termine. C'est la roue ça se commence mes frères et sœurs amis. Si les noirs ne peuvent pas comme si et pratiquer quelque chose, c'est peu probablement une chose tout à fait commode pour les blancs. Il y a la même sorte pour les blancs. S'ils n'ont pas la capacité de pratiquer une chose, c'est probablement une chose tout à fait facile et simple pour les noirs arriver fait. Faut que nous ressortions, faut que nous rendions compte que nous sommes les gens du monde. Nous, c'est mon monde là. Nous devons vivre en fonction du monde. En tout cas, Emmanuel Macron, mesdames, messieurs, décidé en quelque sorte dans toute ça qu'elle gagnait comme pouvoir, puisque il n'est pas capable d'intégrer en réalité et porte ça qui existait entre le Parlement et également le pouvoir. Et le gouvernement qui n'est pas capable d'imposer, pas capable de venir, puisque le Parlement a gagné une politique générale personnellement, j'ai fait, j'ai avancé, qui ça a permis que yo ouais bagaille là de la sorte qu'elle t'a supposé. En tout cas, eh bien, Parlement, moun yo décidé en quelque sorte, yo même personnellement, pour yo essayer de faire des mouvements pour capable intriguer mes frères et sœurs Rabi, yon ou bien imposer une sanction sous député Sahara qui pratiquement, mesdames, messieurs, te décidé en quelque sorte place en forme de humiliation pour famille ça pour quelques monde qui en général t'a fait de mouvements graves et surtout j'aimerais la compliquer mesdames messieurs. Moi-même je suis très en tant que noir dérangé monsieur si me fait émission ça c'est nous même encore une fois pour nous capables et entrer dans logique valoriser tête nous paraître tête nous foncer de bagaille qui capable utile nous dans société. Je dis là gagné élection qui pratiquement cap déroulé aux États-Unis d'Amérique mais il y en a de là qui très important l'une d'entre elles c'est le 8 qui par rapport avec élection ça yo cap fait en pile monde d'attendre ce 8 novembre 2022. Puisque c'est 8 novembre ça qui pral déterminer politique générale les États-Unis d'Amérique dans les 4 prochaines années. C'est lui-même qui pral dit par rapport avec majorité a. Donc mais qui ça mais qui profil nous pral capable aller. Est-ce que démocrate pral avancer? Est-ce que républicain pral avancer? Est-ce que plusieurs autres espaces ou plusieurs autres monde pral essayer ouais donc li simple puisque Donald Trump mesdames messieurs j'aime te dire nous dans commencement monsieur grand politique là la poser des bagailles qui normalement c'est des bagailles qui capable montrer et changer politique les États-Unis d'Amérique dans le jour, parce que les États-Unis gagnent mécanisme, gagnent méthode, gagnent façon politique en général, fait la donne, gagnent gens li fait, gagnent gens planifié, gagnent gens l'agit, gagnent démarche qui pour fait pour ça. En tout cas, nous sommes et nous autres, nous retrouvons que Donald Trump et qui parle capable poser des actions. Et si républicain prend pouvoir dans chambre sénat, c'est sûr que Joe Biden va lutter en pile pour ta concrétiser pleinement à rêverie ou même politique générale li. Et pratiquement hein, ta capable très utile selon ça que gouvernement lance en général toujours dit. Donc
Nous sommes là et on va être tout à fait prudents pour que nous continuions à garder politique générale, grande puissance ou bien pays pour. Anciens en mille, toujours en mille. Ils ont été dans le Sénat ensemble, on va garder dans la photo là. C'est deux anciens conseillers Michel Martelly que yo ensemble. Comme si pour lis qu'on s'a fait monsieur pour Martelly va là. Monsieur Badan. Donc gain sanction qui prend. Gouvernement canadien y imposé nouvelle sanction à deux politiciens haïtiens en collaboration avec les États-Unis. Ouais ça m'a dit non. Ça dit jodi en Canada. Yo met tête ensemble avec États-Unis et m'kwè la France tout dans coalition ça, m'kwè l'Espagne là dans tout. Qui sacrivé là? Ça veut dire que jodi an sou wè États-Unis sanctionne on nèg, parfois nan akon di bon, m'pa pral vin États-Unis. Et puis il continue à aller Canada ou bien le ka voyage en France, aller en Espagne. Kounye là, yo vin font coalition. Oh, comment d'arrêler là? Mais yo demain tout. Mais tout, oui, que laisse en famille, j'ai combien lié là, et les noms, que laisse G4, G4 et allié, mais tout, et nous mêler, oui. Jabas, bah, y'a mélangé dans mes noms. Non, c'est famille alliée, oui. Moi, tout. Parce que le gouvernement canadien, en collaboration avec les États-Unis, donc il prend de nouvelles sanctions là. Il y a un président sénatien, Joseph Lambert, à qui il a tordu. Il est visé par ces sanctions en réponse à la conduite inacceptable de ces politiciens. Ça, il dit. Mais on va respecter nous-mêmes, non? Moi, elle on va faire respect. Où est-ce que tu es là? Ça va, il y a Yuri Alchita avec vous là, oui? Avec délégation canadienne, non? Tu es là, mais là, où est-ce que tu es là? Yuri là? Eh, je jeune bilolo. Faut que tu aies des nègres, Yuri. Ça ne pense pas. Faut que tu aies des nègres. Faut que tu aies Yuri parle là? Bon, je garde si Yuri parle là parce que ça, c'est un manque de dégâts, oui, lié. Bon, je garde si Yuri parle là. Non, je ne sais pas si je suis au téléphone. Je vais regarder tout à l'heure. Ça qui passe là, il dit que en réponse à la conduite inacceptable de ces politiciens, il dit que ça a porté sous soutien financier et opérationnel illicite à des gangs armés. Je ne sais pas. Yo dit que nèg sa yo c'est nèg k ap bay gang tété. Sénateur Yuri. Ou l'attendez m'la, l'attendez moi. Fon ta konnen. Yo dit que nèg sa yo, Yuri la tortue Joseph Lambert, c'est des nèg k ap financé action criminelle dans pays. Oh, Yuri faut ta parler sur Raboto. Parce que yo dit Raboto a vrai lon ti jan et koun ya moun pa traverser ti rivière. Là on va parler d'un plan de sécurité national alors que li pas même régional parce que je dis à tirer la tibonite tête en bas. A dit faut parler nous. Un bail mélangé dans nous. Donc d'après ça agence renseignement Canada États-Unis fait qu'on est. Attendez bien. C'est ça li important. C'est pas comme si on y décidé faire comme ça, non? Yo dit que Non, c'est le live passé fait dans le doigt. Bye. Eh bah, un doigt. Ah, bye, bagaille, il passe, bagaille. Eh bah, quoi, le live fait dans le doigt. Femme d'Anu, quand est-ce que vous avez par là? Femme jeune, vous avez une bataille répondre moi? D'ailleurs, vous avez toujours entendu moi. Vous avez droit à parler, parler, mais ça qui passe là. Sénateur Lambert, côté, bon, regardez. Femme, pas un gros bail qui passe là, oui. Pourquoi sénateur va répondre moi en direct? Même pas de rendez-vous avec elle, mais. Eh, viens, nèg d'où, hein? Il va répondre. Eh, m'basse le carré pour nous. Bon, regardez moi. Elle va t'en répondre nous là. Sénateur, il doit occuper. On a la tête là chargée. Sénateur va répondre non. Elle va répondre. Tête là chargée. Il va répondre non. Il va répondre. Bon, regardez moi. Oh non, sénateur occupé. Il t'a répondre. Un mois.
désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Pas un problème. Pas un problème. Un sénateur a occupé. Oh, on est pas mélangé là. Sénateur, c'était oui, t'as pris l'eau là là. Et sous capable tout le appel là. Ah, ça c'est un pays là, qui bagaille. Faut bon, ouais. Quand bon checker sénateur oui. La société excusez oui parce que Bilolo parle à Michel Mahon même. J'ai rendez-vous à Michel Mahon. Et téléphone il pas en charge. Son pays difficile. Bon garder si moi et sénateur et la tortue là. Sous son gros manque de gâte fait là. Faut nous garder bah. Là on pas courir comme ça. Vous comprenez? Parce que c'est pays il y en a pas un petit coup de main. Mais là son manque de gars son déception. La tortue côté la tortue. Am gen numéro nèg ça oui là. Sénateur la tortue côté monsieur. Côté la tortue. Qui aime ça les sœurs Michel? Il est toujours là à suivre lui-même. Bon, regardez, moi, sénateur la tortue, baron, tu m'as fait un number 5524. Oui, Eli, vous croyez, Eli? Bon, regardez, là, moi, le Joe, le babra appel là. Joe! Ouais, Joe, babra appel là. Bon, regardez, si sénateur la belle elle-même. Eh ben, on mélange, non, mais il faut regarder. Elle a sonné. Mon jeune Jean, il est là pour elle, lui-même. Oh, il va disponible. Eh ben, on mélange, oui. Tout n'a pas disponible, non? T'es pas disponible. Comme gardez-moi. Désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Pas de problème. N'a occupé. N'a pas occupé. Eh, bon, fin li pou peyi. Attendez, n'a pas là. Bon, fin li pou peyi là. Parce que n'a pas là. Bon, boy. Ça. Bon, gardez-moi. Oh, oui, ça. Claude Joseph qui a parlé, oui. Oui, à un régime de sanctions visant des acteurs politiques. Et des oligarques corrompus prenant le pays en otage par la violence et la corruption. Oui à la modernisation de la vie politique en Haïti, trop longtemps dominée par des intérêts claniques. Non, cependant, à un régime de sanctions qui pourrait intentionnellement entraver la liberté d'expression et de manifestation pacifique à des acteurs. Oui, des acteurs haïtiens qui croient que l'EPM actuel, présumé assassin du 58e président d'Haïti, doit démissionner parce que incapable de gouverner. Pas un problème, oui. Et ça, c'est Joe, c'est Claude Joseph qui a parlé. Bon, regardez-moi. Oh, avocat, il va parler. Ah, m'a parlé de sénateur Lambert connait la même tombé relé moins bah ça pas ça va faire des autres avocat dit il pas parler non gien numéro sénateur you et vient nèg nous hein et monsieur mi avocat et tout mi avocat tête lié bon font dernier check bon regardez moi non il pas parler il pas parler m'a joni pas un problème bon fin lit article là il sonne là elle va t'apprendre lui et vient nèg nous hein et vient nèg nous. Allô? Allô? Sénateur, comment est? Oui. C'est Thierry Altelus, oui, comment est? C'est pour la première nouvelle. Eh bien, en forme, sénateur, surprise, oui, là, on direct, oui, parce que m'dap font check sur ni ou ni sénateur Lambert, ou en direct, payapman de pour vous, comment est, sénateur? Comment est? Eh bien, en forme, excusez-moi, je souligne là. Ok. Et bien, nous, la première, nous l'apprenons. Et moi, c'est pour nous de voir tout ça, parce que nous sommes là, nous devons de mon mari. Ok. Eh bien, sénateur, nous avons essayé Lila, parce que nous avons plusieurs articles. Nous avons un article là, Journal Canada. Nous avons gardé un texte dans le Trésor, département d'État américain. Eh bien, justement, tu as des sanctions qui t'a imposé au même avec sénateur Lambert. Yo reproché de trafic illégal de stupéfiants également ou t'a financé gang armé à exam dans pays. Comment recevoir nouvelle ça et qui ça bagaille là sénateur parce que pays là prend choc oui là l'air dans des bails ça. Eh bien, problème à Babou et de façon totale et donc agir de façon purement politique c'est une décision politique. Et ma décision pour tout ça, parce que premièrement, on a vu Canada. Pour maintenant, on a vu que Canada, nous dit que moi, je suis utilisé et partie de la présidence pour que de ces arbres à l'économie. Sont en pas fin bon, non, sénateur. Ils sont en pas fin bon. Et au-delà de là, il y a un tas de plus ou moins. Bonne question. Et là, oui. Oui, bon là. Oui, on parle, on parle.
Oui, mais moi, c'est que sans décision purement politique, que nous prenons un moment ça, il va expliquer ça à partir de notes que le Canada a gagné et ensuite faire une raison à l'Amérique. On a regardé la situation au Canada et moi, je crois que le Canada, depuis 2007, moi, j'ai étudié au Canada et en 2008, et en 2007, nous étudions pour me renouveler visa et territoire. Et puis, et à ce moment, j'ai demandé si j'étais militaire. Moi, j'ai dit oui, j'étais militaire. Et j'ai dit que militaire, il n'y a pas habilité mon visa vers le Canada. Tout le monde qui était dans l'armée d'Haïti était éliminé visa. Bon. Du coup, moi, j'étais dans l'armée, mais actuellement, j'étais dans l'armée. Et si j'étais stationné dans l'armée, j'ai fait quelque chose. Il n'y a pas de problème. Je vais le faire par le Canada et on ne va faire aucune demande de visa. Maintenant, en décembre 2017, j'ai été invité par la Fondation nationale du Québec pour que dans le Canada, dans le cadre de l'élection comme président du Sénat, et notre bien venu présenter pour que j'étais premièrement applaudi et les assurés et les délégations. Et je te félicite pour le travail que tu connais de faire en Haïti. Alors, si même Canada, ça a dit que tu utilises le statut, et je retrouve dans l'Assemblée nationale Québec là, mais ça fait une période, ça a dit à tout ce que tu es au Canada, et ensuite, on est allé à Ottawa, pour que tu aies une visite président et l'Assemblée fédérale là, puisque on connaît Québec son province, et Canada lui-même, il lui donnait l'Assemblée fédérale là qui mène Ottawa. Donc ça c'est pour le Canada. La deuxième chose, il y a cela une semaine, une haute délégation canadienne venue, il y a eu mon autorité de voir, c'était moi-même, et pour te poser une question sur la question Pays-Bas, mais c'est différent avec la situation d'intervention. Sénateur, bon, mais serré l'eau encore parce que sont vraiment, on va parler en bas important, mais sont pas audibles. C'est vrai qu'il y a un problème en Haïti. Bon, mais serré. Allô? Bon, mais serré, appel là pour moi, ça qui passe parce que sont pas corrects. Il faut passer correct. D'ailleurs, c'est direct que nous serré là. Il faut passer l'huile. Parce que on va parler là, faut mon yotan de son abdi. Là, c'est faut regarder ba yo zami yo. Faut regarder ça qui passé. Et non pas qu'on est, chercher comprendre. Et bon regarder, bon retourner appel là sénateur. Je souhaite me joindre ni. Et compagnie en Haïti, on va être chargé. Mais on voit là, c'est le cas passé plus bien. Allô? Oui sénateur, on essaie là, moi le cas passé plus bien là. On regarde bon. Est-ce que vous pouvez commencer ou bien? Non, mais continuez, oui, je me développe plus correct. Mais vous n'entendez oui. Pas de fin de trop clair, mais vous entendez. Ok, maintenant ça va? Oui, ça va mieux. Ok. Mm-hmm. Oui, moi j'ai dit que moi j'étais invité en 2017 au Canada dans l'Assemblée, et j'étais bon mon visa pour me parler, puisque je n'ai pas fait demande de visa. Mm-hmm. J'étais bon mon visa pour me parler dans l'Assemblée. Et non seulement pour moi au Québec, mais ensuite au Ottawa. Mm-hmm. Donc, la semaine dernière, j'ai été invité dans une autre délégation par la Zentivine, qui est un premier monde qui était petit déjeuner avec la délégation. Mm-hmm. Et j'ai été invité dans la piste ambassadeur là. Et dans le sens ça, ce que je n'ai pas dit avant, il y a un responsable officiel, par la région d'Allemagne, qui m'a dit que, eh bien, ni moi-même, ni sénateur Mabère, nous avons pris le effort. Que nous faisons pour que tout ça arrive dans le consensus, nous reconnaissons ça, nous reconnaissons que nous faisons effort et nous apprécions notre initiative de consensus historique, compromis historique là. Donc, nous reconnaissons le travail que nous faisons et nous rencontrons le monde et ceci sont violents. Donc, nous avons une délégation canadienne qui vient il y a une semaine et pour que nous disions ça, moi, je suis venu au Canada, je dis à Abdul que je suis la violence, je suis la seconde. Parce que ce n'était que la semaine dernière, spécifiquement vendredi dernier. Maintenant, sur la question des États-Unis, moi, je pense que les États-Unis, sur la question de drogue,
c'est souvent question de violence également que nous connaissons. Le ministère Trésor dit que nous connaissons son ami. Pour que, mais qui demande pour faire à la fin de l'État, pour retirer nos solutions. Donc, c'est pour ça que m'a regardé, l'homme qui était sur l'ISA. Et elle m'a dit, en 2007, moi qui suis le sénateur, d'ailleurs, moi qui suis Canada en 2004, moi j'ai été haïtien en 2004, et Jizam qui est aux États-Unis, c'était 2002-2007. Donc moi j'ai été, et là ça me change le mot, j'étais même contacté au niveau de l'ambassade de l'Église, est-ce que moi qui venais d'une chef de police, puisque moi qui suis tout pays à la police divisionnaire. Il m'a dit non, moi je voulais rentrer dans la politique. Et en 2004, j'ai été choisi pour m'aller dans la politique au lieu de devenir chef de police. Maintenant, et là je te dis ça, c'est parce que je te dis que trois mondes qui ont gardé le dossier à l'heure actuelle, et je suis compétent et de fier au clim. C'était en mars 2004, le dossier à l'heure. Je suis mal dans la politique, en 2007, j'ai été fini, même pas renouvelé, je vais dans l'ambassade des États-Unis, je dis attention. Bon, c'est ça, c'est sur la question de drogue. J'ai été accusé de la question de drogue. Je n'ai pas de problème bizarre. Mais il n'y a pas de problème. Au contraire, mon temps est né. Si on sait que ça a fait une zone qui s'allie, on ne sait pas comment ça s'allie. De 2007 jusqu'à 2011, je n'ai jamais dit rien. J'ai dit, bon, mon numéro pour me lever, chaque fois que je me lève, j'ai rien. Et en 2011, je viens d'apprendre, et par une police, que j'ai rien entre les gens à Haïti qui étaient cité même. Je te dis, je ne peux pas faire de drogue sur le port de Naïve, parce que moi, je te dis, justement, c'est quoi que tu es pour faire ça, c'est de donner dans mon état. Et en même temps, je te dis, pour faire une excuse, là, mais dans le tribunal à la Naïve, puisque je te dis, dans le tribunal, je vais mettre ma distance comme avocat, et pendant ce soir, je te reconnais que l'IT est un jour avant, il était dédommagé. Donc, le soir, je te signifie. Excusez-moi à l'ambassade là, mais de tout le papier avocat de l'un, et de l'homme du Jam en 2012. C'est vrai, c'est une accusation qui est faite, mais en 2012, nous avons eu l'homme du Jam. Donc, je ne sais pas quoi que je dis à, dans l'année de 2012 jusqu'à 2022, alors de 2012 à 2018, on a eu l'homme du Jam. Alors en 2018, nous avons appris une nouvelle fidélité. C'est bien un attaché politique qui est demandé. Comme de voter loi électorale, je vais vous choisir la loi électorale. D'ailleurs, moi, dans l'opposition, je n'ai pas qu'à voter le deuxième, je n'ai pas déposé loi là-bas. Je me dis que si loi ça va voter, on ne peut pas payer sa chose. Eh bien, mon début de ça, je me suis dit, je suis sénateur, je me suis dit, monsieur, si on est comme sénateur, on ne peut pas le renouveler, je vous attends, parce que même si ça est ce dîme-là, on est tout campé depuis 2018, je ne peux pas le renouveler. Parce que moi, je connais que cette question de protection, moi, je peux répondre mieux et je peux dire que pas une de voter de la gaille, et pratiquement, je ne peux pas entrer là-dedans parce que moi, je peux dire pour le moment que c'est arrivé, c'est important, c'est pas la question des élections. Maintenant, alors comme dit tout, le gouvernement n'a jamais déposé loi ça dans le Parlement, puisque c'est son projet de loi que le gouvernement peut déposer. Mais son proposition, c'est sénateur à député qui déposait. Maintenant, de 2018 jusqu'à 2022, jusqu'à ce que ben, nous contactions bizarre, nous avons dit comme je vous dis, nous pas invité le monde que nous pensions sur la violence, j'ai nous rencontrer à la délégation. J'ai été invité dans toutes les délégations, jusqu'à Brian Nicole. Pas de Miano avant de lire. Donc, moi, quoi que je dis là, si c'est vos décisions que vous me prenez, qui dit, que le sénateur a tenu un droit et a tenu depuis 20 ans, que c'est jeudi à des suspicions, jeudi à les financer les gens, c'est une grosse contradiction au niveau des États-Unis. Ou bien que la dalle, le phare des décisions qui étaient pour complètement, puisque nous voulons donner 10 ans, nous voulons ce thème, ou bien que jeudi à, eh bien, nous voulons intimider, et c'est ma utilisé de la dalle pour nous dire, pour que je dis à ma capacité là, eh bien, nous avons pris secours. Même parce que je dis à ma pour mieux aussi les faire battre. Ça, là, c'est une décision purement politique pour estimer. Puisque, l'autre jour encore, nous avons dit aux États-Unis, pas une deuxième maladie, nous avons dit aux représentants.